Salut à tous, votre émission 100% tennis est de retour pour de nouvelles aventures. L'Etias Trophy continue sur TéléMB avec un public encore plus nombreux que d'habitude et des Belges, beaucoup de Belges sur les cours. Voici le programme du jour. Nous avons bien sûr suivi l'entrée en lice du grand favori, David Goffin, tête de série numéro 1, disputé son premier tour hier soir. Dernier tour de piste par contre pour Olivier Rocus, il dispute à Mons son tout dernier tournoi et il nous dit tout aujourd'hui sur sa belle carrière dans une interview vérité. Et puis notre séquence coulisses nous emmènera à la rencontre de Cédric Amier, le chef des arbitres du tournoi, nous l'avons suivi dans ses missions. Un cours central plein à craquer ce mardi soir, pas de doute, David Goffin est bel et bien la star de ce tournoi. Il était opposé au néerlandais Uta Galung au premier tour de l'Etias Trophy et Goffin n'a pas tremblé, retour donc sur le match de la soirée. Et classé 31e à l'ATP, tête de série numéro 1, David Goffin c'est le favori à une victoire finale. Le Liégeois le sait. Mais ses adversaires aussi. Uta Galung, déjà tombeur de Gigounon, croit en ses chances. À 5-4 dans le premier set, Goffin doit déjà sauver plusieurs balles de set. Du coup, le Hollandais force le tie-break. Une manche décisive dans laquelle notre compatriote va mieux gérer. 7-1 et gain du premier set, 7-6. Il était vraiment très agressif au premier, il servait bien, c'était vraiment pas facile, il fallait que je prenne mes marques, c'est pas évident, mais en tout cas, chapeau à lui, il a vraiment été très agressif au premier, il jouait très bien, j'ai dû vraiment m'employer pour faire un bon tie-break, et c'est ça qui a fait qu'il a fait un bon premier set maintenant, voilà, il fallait vraiment que je reste très solide, mentalement aussi, je crois que l'attitude a fait que j'ai pu retourner les choses dans le deuxième. Un jeu de service bien meilleur dans le deuxième, conjugué à des fautes directes de Galung, tout ça donne au final un set blanc. 7-6, 6-0. Game set match Goffin. 2 sets to low, 7-6, 6-0. Oui, j'ai mieux servi, le premier ball passait bien, ça allait vraiment bien au deuxième. Maintenant, il ne faut pas grand-chose, parfois un peu plus de relâchement, le service va très bien. Donc. Voilà, j'étais plus agressif au deuxième, j'ai fait un peu plus le jeu, donc c'est ce qui allait mieux, c'est sûr. Au tour suivant, la flèche wallonne devrait rencontrer Matthias Backinger. L'Allemand est déjà vainqueur de plusieurs challengers. Pour rentrer dans le tournoi, ce genre de match, c'est ce qu'il faut pour se mettre en rythme correctement. Bien sûr, là j'ai vraiment été agressé, j'ai été bousculé, donc ça c'est l'idéal. Pour la confiance, commencer comme ça c'est vraiment parfait. Et surtout qu'au deuxième set c'était vraiment bien, donc voilà, c'est vraiment un bon premier tour. Ce sera évidemment l'un des faits marquants de ce 10e Etias Trophy. À 33 ans, Olivier Rocus rangera définitivement ses raquettes au placard cette semaine. Et si les organisateurs lui préparent une jolie petite fête, Oli reste quant à lui assez calme. Retour sur cette belle et longue carrière dans notre rencontre du jour. Voilà Olivier, vous êtes entré en lice ici à l'Etias Trophy hier avec Steve. Ça va, pas trop mal aux jambes ce matin? Non, les jambes ça va, j'ai un petit peu mal au dos ce matin. Mais ça va, globalement ça va assez bien. C'est le physique qui au bout d'un moment ne répond plus et qui vous pousse aujourd'hui tout doucement à dire ben voilà, je vais mettre un terme à ma carrière? Ouais, c'est tout ça, le corps ça devient vraiment difficile après mon opération à la hanche. Les 3-4 premiers mois c'était vraiment... J'avais vraiment dur de me déplacer et puis j'ai perdu... tous mes points malheureusement, et puis voilà, petit à petit, après quand j'ai recommencé, la récupération des matchs, ça venait vraiment très très difficile, un ou deux, après j'avais mal partout, pendant 2-3 jours, j'avais vraiment difficile de bouger, tout ça, donc c'est vraiment la récupération qui est très difficile, donc je pense que le corps m'a dit tout doucement qu'il fallait,
fallait que j'arrête. La vie justement d'un tennisman au-delà de la 500e place, c'est des choses que peut-être le grand public ne connaît pas, mais c'est plus difficile évidemment que quand on est top 100. Il faut passer par des tournois parfois un peu compliqués. Ouais, ben, faut passer par les 10 000 dollars, les futurs, où il n'y a pas beaucoup de points, pas d'argent, il n'y a pas de transport, il faut trouver son hôtel. Enfin, c'est la jungle, hein, donc il faut vraiment essayer de sortir de là. Mais le niveau, maintenant avec tous les jeunes, tous les gens comme ça, 400-500, est de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de jeunes, donc c'est vraiment la jungle et c'est difficile. Je pense que vous êtes l'un des rares joueurs de tennis à considérer ce sport comme presque un sport d'équipe. C'est bien juste ? Ouais, malheureusement, c'est sûr qu'on est souvent seul, mais c'est pour ça que la Coupe Davis, ça me tient tellement à cœur. Je pense que j'étais plus un joueur d'équipe, partager les émotions avec des copains, avec des coéquipiers. Donc voilà, c'est pour ça que les JO, ça me tenait à cœur. Et la Coupe Davis, que j'ai pas loupé un match en 15 ans, c'est d'être avec les copains. C'est ça qui m'a rendu le plus de plaisir pendant ma carrière. Généralement, quand on travaille dans une entreprise, on met un pot de départ avant de partir. L'Etias Trophy, ça devient le rituel. Chacun ici se retrouve en famille, entre amis. Après Xavier l'année dernière, c'est à votre tour cette année. Ouais, bah, entre guillemets, c'est le seul tournoi belge qu'il y a. Donc en plus, c'est en fin de saison, donc je pense que ça tombe super bien. Et puis pour moi, c'est là où tout a commencé à Mons, à l'internat, à l'FT. J'ai fait toutes mes études ici tout près. Et puis j'ai passé, je pense, beaucoup d'années au centre à Mons, donc pour moi, enfin, c'était que normal que ça se termine ici. Le fait d'avoir pensé à la suite dans le tennis, toujours avec Julien, c'est quelque chose qui vous aide à passer cette étape, la transition? Bah oui, je pense que savoir ce que je vais faire dans le futur, c'était quand même important pour moi. Je pense que je suis quelqu'un d'actif, j'aime bien savoir ce que je vais faire le lendemain. Donc voilà, savoir que je vais être occupé avec Julien, c'est un beau challenge, on s'entend bien. Rester dans le tennis, moi le tennis c'est ce qui m'a, enfin ça a été toute ma vie et j'ai toujours considéré ça comme un jeu, une passion et voilà, je pense que si je peux aider un peu Julien, c'est avec grand plaisir et puis voilà, c'est un beau challenge. On espère évidemment vous voir le plus loin possible alors dans ce tournoi-ci. Ben oui, j'espère, je veux dire chaque match, je pense qu'il y aura beaucoup de monde et il y aura une très très bonne ambiance, donc c'est sûr, plus il y a de matchs, plus il sera encore des moments incroyables, donc j'espère que demain ce sera pas le dernier. Parfait, merci beaucoup. Place à présent à notre séquence coulisses. Nous sommes partis aujourd'hui à la rencontre du chef des arbitres de l'Etias Trophy. Choisir les arbitres de chaise et les juges de ligne, les coacher, les évaluer, c'est le job de Cédric Amier, dont voici tout de suite le portrait. Bonjour, je suis Cédric Amier, je suis chef des arbitres de l'Etias Trophy. Quel est le rôle, brièvement, du chef des arbitres d'un tournoi ? Le chef des arbitres, c'est celui qui va organiser en fait l'arbitrage, c'est celui qui va choisir les juges de ligne, choisir les arbitres qui seront désignés par l'ATP et qui va les manager, entre guillemets. C'est une espèce de directeur des ressources humaines sur un tournoi de tennis pour l'arbitrage. Une grosse partie se fait avant, mais vous êtes là pendant tout le tournoi. Il y a énormément de travail de préparation, effectivement, notamment au niveau des sélections, des envois de candidatures, du traitement et beaucoup d'envois de courrier avec l'ATP et la direction de tournoi. Mais forcément, le plus gros du travail, c'est pendant le tournoi. Ce qui est important, c'est les attitudes, les positions, le regard, la façon de regarder la balle forcément, mais aussi la façon de vendre l'annonce. Vendre l'annonce, c'est quoi ? C'est la voix. La voix est très très importante. Vous disiez, sur les tournois indoor, il y a une pression particulière parce qu'il y a beaucoup de matchs, ça va beaucoup plus vite. La difficulté d'un tournoi indoor pour un juge de ligne, c'est que les journées sont très longues. Ici, il y a deux cours, deux terrains, donc ça veut dire beaucoup de matchs. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, ben, l'éclairage est parfois plus difficile à supporter que le soleil. Et puis, effectivement, il y a une certaine pression parce que on est à l'intérieur, ça résonne un peu plus, donc on entend encore plus le public. Donc la pression est un peu plus grande que sur un tournoi outdoor. Qu'on vous a vu ici vraiment dans une partie importante de votre travail, c'est le côté organisationnel et gestion des équipes.
Oui, et coaching des équipes, donc c'est important d'avoir un petit débriefing avec chaque équipe en sortant du terrain et puis leur donner peut-être quelques conseils sur notamment des positions. Les juges de ligne, ils changent de position régulièrement ? Oui, donc surtout, on fonctionne sous forme de rotation toutes les 45 minutes. Donc 45 minutes sur le terrain, 45 minutes en dehors. Et on fait ça pour qu'ils puissent avoir le temps de se reposer aussi parce que c'est assez fatigant. Vous êtes régulièrement en bord terrain pour les observer aussi, voir un peu leurs erreurs ? Voir leurs erreurs, mais surtout pour les coacher, pour être mentalement là, pour leur donner un petit coup de boost. Ça leur permet aussi de voir que voilà, le chef les soutient. C'est pas tellement un œil inquisiteur ou d'évaluateur, c'est vraiment plutôt le mode coaching. C'est quoi les qualités pour les bons juges ? Un bon juge de ligne, avant tout, il doit avoir des bons yeux, avec ou sans lunettes. Et puis il doit être calme aussi, il doit supporter la pression. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Allez, on jette un œil sur les résultats d'hier soir avec des Belges sur le court durant toute la journée et un 3 sur 4 avec malheureusement une élimination côté belge, celle de Kimmer Kopejans face au Suisse Marty. Pour les autres, ça passe, vous l'avez vu pour Goffin face à Uta Galung, pour Darcy aussi contre Sela, l'Israélien tête de série numéro 5, et pour Bemelmans opposé au Roumain Ungur, qualification également pour Dustin Brown, tête de série numéro 8 et ancien demi-finaliste du tournoi. Et puis aujourd'hui au programme une soirée 100% belge avec un match d'exhibition d'ancienne gloire de notre tennis. Malice, Vliegen, De Wulf et tous les autres seront présents pour assurer le spectacle au Lotto Mons Expo alors que le match de la soirée opposera Olivier Rochus à l'Autrichien Meltzer. Allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous suivre sur notre site internet telemb.be et sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, rejoignez-nous sur place, l'Étiastrophie. C'est là que ça se passe, à demain.